Il s'est inspiré de Zuckerberg sans pour autant copier Facebook. Aujourd'hui, Mohamed Yaqoubi fête ses 100 000 membres actifs sur son réseau social après le rachat de Blade Ebook, l'un de ses concurrents. D'une simple idée, alamjadid.com est devenu le premier site du genre et le leader dans le monde arabe. Et ce n'est pas tout. Le fondateur du Facebook marocain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il ambitionne d'étendre alamjadid à d'autres pays arabes et même au-delà. Mark Zuckerberg n'a donc qu'à bien se tenir. Bon week-end et à lundi.